Salut à tous et soyez les bienvenus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda neste vídeo, que eu falei estranho, mas é neste vídeo do francês que ninguém te ensina. Hoje eu vou unir o útil ao agradável para mim. Preciso fazer um vídeo para vocês e preciso arrumar minha cama. Alors on y va, vou te ensinar a arrumar a cama em francês. Venez! Ça c'est un lit. Isto é uma cama. Eu vou falar 100% em francês, então vai ser uma oportunidade de você ouvir mais francês, ligar os seus ouvidos e aprender vocabulário. Voilà mon lit. Ce matin, Théo a apporté plein de jouets dans le lit de papa et maman. Donc, je vais, pour commencer, enlever les jouets de Théo et les livres. Et je vais les poser sur la table de chevet. Ça, c'est une petite table de chevet. Qu'est-ce que c'est une table de chevet? C'est une petite table comme ça, à côté du lit. Une table de chevet. Et voilà, maintenant, pour faire le lit, je vais enlever. Tout enlever. Pour pouvoir bien étirer le drap, le sous-drap. Ça, c'est un sous-drap parce qu'il a un élastique. Donc, c'est un sous-drap. Le pyjama, je le mets toujours sous l'oreiller. Je le plie rapidement. C'est pas comme à l'hôtel, hein? C'est fait maison. Donc, pyjama sous l'oreiller. L'oreiller. Et maintenant, le drap. Ça, c'est le drap. Théo adore quand je lui fais du vent comme ça avec le drap. Donc. Et je mets un morceau du drap sous le matelas. Donc, ça s'appelle un matelas. L'oreiller de Paolo. Et ça, c'est une taie d'oreiller. Le tissu qui recouvre l'oreiller, ça s'appelle une taie d'oreiller. Maintenant, je vais mettre ça. C'est un couvre-lit. Qu'est-ce que c'est un couvre-lit? C'est quelque chose juste pour protéger le drap, pour pas qu'il y ait de la poussière. Donc, je ne sais pas s'il est dans le bon sens. Je pense que oui. J'ai oublié une partie. Là, je vais replier le rebord du drap. Et comme c'est un couvre-lit, je ne vais pas le mettre à l'intérieur. Faire comme ça. De l'autre côté, c'est comme la gymnastique. Est-ce que vous faites votre lit tous les jours? Répondez-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'apprendre du vocabulaire aujourd'hui, laissez déjà le pouce vers le haut, comme ça je sais que ça vous a aidé à apprendre un peu plus de français. Et je continue de ce côté. Et voilà. Maintenant, deux autres oreillers. Je les mets là. Et une petite couverture que je pose au pied du lit. C'est à l'envers. Voilà. C'est bon. C'est pas comme à l'hôtel, mais c'est fait maison. C'est comme ça que je fais mon lit en français. Et vous, est-ce que vous faites votre lit tous les jours? Racontez-moi dans les commentaires. Et dites-moi, quelle autre séquence d'activité à la maison vous voulez que je vous présente? Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao!